je dis à nous commencer avec finance, comme nous dit. Maintenant, mois dernier, l'homme t'a commencé à prêcher sur le mariage. Nous sommes dit nous comme ça, gagnent des lois qui gouvernaient le mariage. Des lois qui gouvernaient le mariage, lois spirituelles qui gouvernaient le mariage. Songez-moi, t'a dit nous, chaque temps bon Dieu parlait, il créait une loi. Chaque temps bon Dieu parlait, il créait une loi. La Bible dit sa parole subsiste de génération en génération. Sa parole subsiste de génération en génération. Ça veut dire l'Éternel prononce son parole. Parole qui sort dans la bouche l'IA continue de génération en génération. C'est ça qui fait yorel yon loi. Même avec la loi de la gravité. Yon loi naturelle, c'est yon baga qui continue à répéter sans le pas camper. Le yon phénomène a produit et reproduit sans le pas camper. Yorel yon loi. Le bon Dieu campé dans Genèse chapitre 1er. Et puis il dit que les arbres produisent des fruits selon leur espèce. Que les animaux yo produisent des enfants selon leur espèce. L'œil dit c'est pour toute bagaille reproduit selon espèce. L'œil dit selon leurs espèces, li créé une loi qu'on appelle les lois de la génétique. Les lois de la génétique, c'est eux-mêmes qui permettent que tout pied bois reproduit selon espèce. Si c'est pied cachiman, libor. Si c'est un pied cachiman, il reproduit pied cachiman. Si c'est chien, il reproduit chien. Si c'est aigle, il reproduit aigle. Ça fait loi génétique ça yo exister. Gen moun qui étudie DNA, ça yo les ADN, etc., etc. Et la science étudie comment loi ça yo opéré. La science étudie comment loi yo opéré, mais la science pas connaît côté loi yo sorti. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit hein? La science étudie les lois, mais elle pas connaît origine des lois. Mandé n'importe scientifique côté loi ça yo sorti, yo pas connaît. Yo just ouais, loi ça yo a opéré dans le monde. Yo essayé guess qui côté la loi de la pesanteur sorti, scientifique pas connaît. Qui côté la loi de la génétique sorti, yo pas connaît. Yo étudie opération loi. Mais il n'y a pas de côté le sorti. Mais moi-même, avant qu'il connaît la parole de Dieu, nous connaît côté le sorti. Les scientifiques qui ont étudié les lois de la génétique, ils ont étudié l'opération, mais ils n'ont pas de côté le sorti. Mais moi, avant, nous connaît côté le sorti. La Bible dit le bon Dieu a créé le monde. Il dit c'est pour chaque bagaille produit selon espèce. Conséquemment, il produit une loi naturelle, que n'est les lois de la génétique. Même Jean, où est que l'Éternel parlait? Il produit des lois naturelles. Il parle dans la nature, il produit des lois naturelles. C'est comme ça, l'Éternel parle dans le mariage, il produit des lois maritales. Et pour même genre, pour fonctionner dans le monde, il faut comprendre la loi naturelle. Ou bien, il pas un scientiste, mais il faut connaître la loi de la gravité exister. Même si vous ne savez pas comment elle fonctionne, mais au moins où doit qu'on elle existe, parce que si elle monte sur tête en caille et pour la guerre en bas, ou après nous compte que la loi qui existe. Est-ce que vous avez même? Donc cela veut dire, donc faut qu'on elle existe parce que l'affecte. C'est comme ça tout dans le mariage. Il y a des lois qui existent qui affectent tout, des lois maritales. Donc moi, j'ai parlé dans le mois dernier, loi de l'intimité. Combien de monde qui songe ça? Hein? J'ai parlé de intimité. Qui loi m'a parlé encore? Hein? Complémentarité. Hein? Qui doit me parler encore? Détachement. Qui doit me parler? Il m'a parlé dans l'autre loi pour me quitter là. Qui ça? L'attachement. Cela veut dire, en deux mariages, qu'on pas quelle loi qui a opéré. Intimité, complémentarité, attachement, détachement. Il y a d'autres lois que je ne peux pas toucher. Il y a la loi de l'harmonie, ou comprenez-moi, qui opéré dans le mariage. En plus, l'autre loi qui existe dans le mariage. Donc cela veut dire, lorsqu'on est loi ça, ou collaborer avec yo, mariage ou prospérer, mariage ou belle, ou gain le bonheur, ou gain cœur content, nous vivons ensemble pendant longtemps. Le nous ignorer loi ça, yo vient mettre tension dans mariage là, parfois des tensions qui pas nécessaires. Donc le bon Dieu parlait dans la nature, il créait des lois naturelles. Le bon Dieu parlait au sujet du mariage, il créait des lois maritales. C'est comme ça tout, le bon Dieu parlait au sujet des finances, lui créer des lois financières. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit? Dit loi financière. Même j'en vois le mariage, il y a des lois spirituelles qui gouvernent. C'est comme ça, les finances, des lois
spirituel qui gouvernait les finances. Lors qu'on prend la loi ça yo, ou opérer selon yo même, ou prospérer dans ce qu'on fait. Lors pas comprendre la loi ça yo, ou toujours à goumer avec la vie. Mais ce n'est pas parce que bon Dieu pas voulu prospérer, mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que nous commençons à me dire là? Ça veut dire pas dans moi ça. Nous allons étudier les lois qui gouvernent les finances. Est-ce que l'église entend ça m'a dit là? Parce que c'est pour bon Dieu péter chaîne pauvreté sous tête peuple haïtien. Est-ce qu'on d'accord avec moi? Moi j'aime prêcher sous finance. Raison fait moi prêcher sous finance, c'est parce que depuis il a parlé des haïtiens, il a toujours dit comme ça Haïti le pays qui plus pauvre dans l'hémisphère occidental. Nous besoin pour bon Dieu faire peuple tabernacle de gloire, grâce. Est-ce que nous d'accord avec moi? Combien de monde qui d'accord participer dans la grâce là? C'est pour bon Dieu utiliser comme moun, comme instrument qui fait retirer attribut ça, épithète ça, adjectif ça sous tout peuple haïtien. Combien de monde qui d'accord avec ça? Mais pour ça qu'on a fait, il y a ce qu'on appelle des lois financières. Et ça me parle d'un bagage. Me parle d'un bagage qui est très curieux. Ça qui est curieux, c'est que loi ça yo songe, c'est des lois que yo yé. Loi, yo signifie, puisque c'est des lois, yo marche que co-chrétien, co-pas-chrétien, loi marche pour vous. Soudainement, il y a des choses, ma pensée, yo là, ou bal remarquer, c'est des bagages que moun dans le monde qui pas contre Christ, mettez en pratique, mais yo pas même connaît bagage dans la Bible, non? Yo en vini, à force de chercher, yo pas contre bon Dieu, yo pas contre Bible. Mais yo tellement gon désir pour yo gen abondance, yo tellement gon désir pour yo gen l'argent, yo tellement gon désir pour yo gen richesse, y a chercher loi, et puis de temps en temps chercher, puisque gon bagay qui dit dans la Bible chercher ou va trouver, moun sa yo tellement gon désir pour yo gen l'argent, yo plaide de chercher, et puis gon jou yo tomber son grain loi. Après ça yo chercher encore, on l'a dit yo tomber son l'autre loi. Jusqu'à ce que malgré yo pas jamais li la Bible, yo end up pratiquer une série de bagay qui nan Bible là sans que yo pas jamais connait bon Dieu. Et puis la marcher pour yo. Pendant que moun ki dans le monde qui pas connait bon Dieu, y a mettre certaines lois spirituelles en pratique et puis marcher pour yo. Dans l'église li même nous avec Bible là, mais nous chaque dimanche même pas jamais prêter attention avec loi ça yo ça fait ça parce que nous te gon pasteur qui te dit nous depuis l'aine de petit tant que pantalon nous chirer avec deux lunettes derrière c'est tant que nous plus spirituel. Conséquemment les lois de la prospérité, les lois du bien-être, les lois de la richesse yo là en bas chaque jour dans la Bible ou pas jamais prêter attention à ça parce que ou pas jamais réfléchir à ça même. Combien de monde qui est d'accord avec moi là? C'est pour bon Dieu passer dans l'abondance à vos soins. Je dis c'est pour bon Dieu passer dans l'abondance à vos jeudi. Est-ce que c'est pour bon Dieu passer dans l'abondance à vos jeudi? Est-ce qu'on prêt pour première loi? Est-ce qu'on prêt pour première loi? Combien de monde qui prêt pour apprendre son prêt? Gloire. Il voulait bon première loi. Première loi de la prospérité. Première loi de l'abondance, lire la planification. Dis planification. Planification. Alléluia. Enseignement aujourd'hui, lire les planifier votre abondance. Abondance, c'est pour un bagage qui passe par accident. Prospérité, c'est pour un bagage qui finit par accident. Richesse, c'est pas un bagage qui finit par accident. Là yon moun riche dans les bonnes conditions. Gen moun ki riche kal prend point riche. Moun konnen ça existe. Satan le diable te dit Jésus, je te donnerai les royaumes de ce monde et leur richesse si tu m'adores. Donc cela veut dire gen moun Satan fait riche. C'est pas et pas dans dossier ça, même pas dans quartier ça. M'a parle au moun qui a prospéré selon mon Dieu. Moun qui a prospéré selon mon Dieu, première étape là. Pour selon les principes de Dieu, premièrement, c'est planification. On nous dit planification. Moun pas prospère par accident, mes bien-aimés.
Lorsqu'il y a des gens qui levé, qui dans le monde, je vais vous quelques noms. Par exemple, vous avez un homme qui par exemple Bill Gates. Ou gade ouè salye jodia, c'est l'homme le plus riche au monde. Ou gade ouè salye jodia, c'est pour un accident que fait le fait comme ça. Lò gade yon homme qui Warren Buffett, donc peut-être deuxième homme qui plus riche, lui même avec Bill Gates, de temps en temps, yon change place. C'est pas yon accident qui fait ça arriver. Lò gade des hommes qui Jeff Bezos de Amazon, etc. Lò gade ouè gen des personnes qui sortent de la pauvreté jusqu'à la surabondance, c'est pas yon accident. Lò wa li histoire moun sa yo, ou après Bill Gates commençait à planifier richesse li depuis l'elle te gen 16 ans. Warren Buffett commençait à planifier richesse li l'elle te gen 12 ans. Jeff Bezos de Amazon a planifié richesse li pendant longtemps. Logado wè goun moun ki fini et puis il gen des millions, li gen des multimillions, li gen des milliards. C'est pas ni lève le conseil puis lève non caisse l'argent. Non! Li gen longtemps la travail li. Donc li rele en d'autres termes, li planifié richesse li dit planification. Dit planification. Dit planification. Première loi de la richesse, c'est la planification. Pasteur Greg, qui compte rejoindre ça, ben montre lui dans la Bible, pour ne pas passer dans quelques livres. Vous comprenez, financement, mal chachon bête, ma vine la gueule là. Gardez Proverbe chapitre 21, verset 5. On nous lit ensemble. N'a pas lu en français et puis n'a pas lu en anglais tout. On nous lit ensemble. Tout le monde lit le fort avec. Qui ça le dit? Il dit qui ça? Les projets de l'homme diligent. Gardez qui ça le dit. Ne mène. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Gardez, font-il camper cette phrase-là? Ou est-ce que je suis sûr pour me dire samedi là? Si samedi pendant moi sont fait, et puis situation économique ou pas changer, viens dire mettre micro à terre. Et m'a mettre la terre parce que donc dans ce cas, l'évangile n'est pas vrai. Gardez ce que ça le dit. Gardez qui ça texte dit. Les projets de l'homme dirigeant. Gardez qui ça le dit. Ne mène qu'à, en d'autres termes, pas de deux routes, pas de trois routes, pas de quatre routes. Les projets de l'homme dirigeant mènent au seul côté. Dis au seul côté. Dis au seul côté. Au seul côté. La Bible dit les projets de l'homme dirigeant, ils ne mènent qu'à la bonne. Premier principe de la richesse, c'est planification. C'est celui qui est riche projette d'être riche. Celui qui est abondant projette l'abondance. Celui qui, vous comprenez moi, qui est prospère. La prospérité, c'est pas un bagage qui arrive par accident. Aime bien, nous voulons prendre ça pendant moi, ça pour m'enseigner ça. Parce que pendant longtemps, nous diversons ça. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois tu en bonne santé. Et en pile, là, nous connaissons. Mais pas dans pile, monde qui dit nous, comment arriver à prospérité. Nous connaissons supposé prospérer, mais nous ne connaissons pas comment supposé arriver à prospérité. Premier principe de prospérité, c'est planification. Mettez-le en anglais. Gardez même texte en anglais. Gardez qui ça le dit. Let's read together. Il dit qui ça? The plans of the diligent. Gardez qui ça dit. Lead surely. Ou quand ça surely, il dit, pagé maintenant ça même. The plans of the diligent lead surely to plenty. The premier bagaille ou besoin fait, l'on besoin opérer de l'abondance, de la prospérité. Qui ça en fait ou planifier? Dis-moi planifier. Qui ça en fait ou? Planifier. Ah, m'battant d'eau fort. Qui ça en fait dit? Dis-moi qui ça quoi? Qui ça en fait? Planifier. Aïe. Sous besoin faire retirement ou bien, qui ça en fait? Sous besoin situation financière changer, qui ça en fait? Sous ta reme pour account ou pas, comment les gens liés aujourd'hui? L'île en minus ou pas, v'le rete dans minus là tout le temps, qui ça en fait? Premier principe de l'abondance, c'est la planification. Et ça m'a dit là, n'importe séminaire ou aller sous les finances. N'importe séminaire ou aller sous les finances.
N'importe monde qui ont consultant financier et pour dire mes problèmes, m'pas casser vampire quoi, m'pas casser cob, m'pas caper caille moins, m'toujours en dette, m'pas baga. Premier baga li balle jou fait, li balle jou font plan. Yo pas connaissez dans la Bible plan non? Mais ça fait ça, mais yo connaît c'est ça qui marche. Yo connaît le marché mais yo pas connaît côté le sorti. Yo pas connaît du moment dressé, yo plan le ciel qu'on a commencé à accompagner. Parce qu'on entre dans la loi spirituelle. Aïe, 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 aïe. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là? Du moment qu'on fait un plan, qu'on commence à fonctionner avec un principe spirituel. Maintenant, comment on fait un plan financier? Comment on fait un plan financier? Ou bien comment on fait un plan d'abondance? Je ne veux pas un plan financier, non? Je veux dire un plan d'abondance. On nous dit plan d'abondance. Ça veut dire pendant semaine ça l'arrivé la caillou ou va chercher un morceau papier vide et puis dans tête morceau papier on va l'écrire plein d'abondance. Est-ce que nous d'accord avec moi? Ou va planifier abondance ou va planifier l'endemain ou va planifier sauver dans retirement tout ou va planifier sauver 5 ans de cela ou va planifier sauver 10 ans de cela. Premier côté hein, ou commencer avec planification. Maintenant pour planifier qui soit besoin ou besoin trois bagages. On nous dit combien bagages besoin? Combien ont besoin? Ok, numéro 1, ou besoin d'un but. On nous dit but. On nous dit but. En d'autres termes, ou besoin d'un but, ou besoin d'un objectif. Deuxième bagarre, ou besoin stratégie. On nous dit stratégie. On nous dit stratégie. On nous dit stratégie. Troisièmement, ou besoin d'un document. On nous dit document. Document signifie plan ou gain, but ou gain. On va écrire stratégie ou écrire. Ou apprend ni buya ni stratégie ou écrit yo et puis sort écrit a avin tout nos documents on plan ou pas gagne un plan s'il va écrit pas gagne ça yo les plans en tête that doesn't exist mon grand plan mais en tête moi non ou comprendre mais ou gagne idée dans tête ou yon plan vin yon plan l'elle écrit tout ton pas écrit ou pas gon plan ou gagne idée tout temps pas écrit ou pas gon projet ou gen souhait mon poko gen projet. Mais la Bible pas dit les souhaits de l'homme diligent amène à l'abondance, li pas dit les idées de l'homme diligent n'amène qu'à l'abondance, li dit les projets et les plans de l'homme diligent mènent à l'abondance. Qui leur yon idée passer de idée à plan l'ont écrit. Qui leur yon souhait passer de souhait à projet l'ont écrit. Est-ce que l'église t'a dit ça m'a dit là? Est-ce que vous entendez ça m'a dit là? Si vous comprenez ça m'a dit, dit gloire. Maintenant, bon parler de première partie avant. Faut un but ou bien d'autres termes faut gagner un objectif. Objectif. Maintenant, qui ça yon objectifié? Ou pas arriver en quel côté dans la vie sous pas gagner yon but sans qu'on pas gon objectif. Sans qu'on pas gon côté précis ou braler. Regarde qui ça apôtre Paul dit dans Philippiens 3 verset 14. On nous lit Philippiens 3 verset 14. Lisons ensemble Philippiens 3 verset 14. Regardez qui ça le dit. Il dit je cours qui ça vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Regardez qui ça le dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Il n'y a pas de prix sans but. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là? Ou pas qu'à remporter le prix. Ou pas qu'à remporter couronne. Ou pas qu'à gagner une récompense sous pas un but. Yon but qui s'allie. Yon but. Nous connaissons ça, ça les. Gen moun qui regarde match football. Gen moun qui regarde match football, n'est-ce pas? Ok. Le yon moun a joué match football. Ou gade ou e gon nan chaque point terrain hein, gon baga ki nan mitan terrain ki gen deux poteaux ki kembel et puis yon bar transversal. Après bar transversal la gon filet. Nous même haïtien nous rele ça camp. Mais moun ki français a rele ça le but. Le but ki s'allie, but c'est camp côté pour shooter. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? But c'est quand côté pour shooter là. C'est là pour shooter pour faire point. On nous dit yo mon a joué match football pas gain camp. Est-ce que le ka fait point?
Si pas de camp, on pas qu'à faire point. Parce que si pas de camp, pas de but. Si pas de but, on pas qu'à faire point. C'est même gentil au niveau financier. Au niveau financier, pour capable grandir sur le plan financier, faut qu'on but, faut qu'on objectif, faut qu'on compte au bralé, faut qu'on qui soit à aimer réaliser, faut qu'on qui soit à aimer faire. Mais si pas qu'on qui compte au bralé, qui soit voulu accomplir, qui objectif ou gagner, ou à shooter, on moune paraît avec qui descend dépend son cob, on baga passe ou dépend son l'autre cob, on l'autre cob passe ou dépend son l'autre cob, ou passe son rad ou dépend son cob la rad là. Et pour finir, l'argent passe dans mon tout le côté, ça qui fait ça, ou pas j'aime qu'on but. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? L'homme pas gon but ou gaspiller temps ou gain droit souhait, c'est quand couillon homme qui sont terrain puisque pas gain but, jodi a le shooter boy ici, après ça le virer ballon le shooter boy ici, après ça le virer boy ici, mais par contre ça l'a fait puisqu'il y a pas de but, il ne peut rien accomplir. Mais koul gon but devant, ah, il dit comme ça, mais qui compte m'a passé shooter, m'gè doit faire premier shoot dehors, m'dit bon mon autre ballon encore, m'font deuxième shoot, m'gade moi shoot moins trois faibles, kounya m'bra le faire plus fort, m'gade moi pied droit là gèlè pa ban mouvement, m'bra me faire pied gauche là et de kounya m'bra le faire différent bagage jusqu'à ce que m'entre dans but parce que mon objectif. Est-ce que l'église t'a dit ça m'a dit là? Donc première loi planification, c'est que faut gon objectif. Faut qu'on but. Qui ça me voulait accomplir? Qui côté me voulait arriver? Qui ça me voulait faire? Où doit qu'on but? Est-ce que l'église avait main? On nous dit but. On nous dit objectif. Donc, premier bagage, faut qu'on objectif financier. Faut qu'on but financier. Maintenant, bam montre comment ou travaille but. Comment ou formuler objectif financier. Objectif financier, même s'il c'est un objectif financier, il n'est pas commencé avec l'argent. Est-ce que l'église avait main? Un objectif financier, c'est un objectif financier. Ça veut dire, mais qui compte m'tare me arriver économiquement? 3 ans de jodia, 5 ans de jodia. 10 ans de jodia, 20 ans de jodia, mes côtés m'ta remeyé économiquement. Mes côtés m'ta remeyé financièrement. Mais qui valait l'argent m'ta remeyé gagné. Même si c'est un objectif financier, mais le pas commencer avec finance. Li pas commencer avec l'argent. Ou besoin qu'on avec qui ça le commencer? Li commencer avec la gloire de Dieu. Votre objectif financier doit, si Dieu va financer votre investissement, si Dieu va financer votre vie, si bon Dieu va financer projet, parce que songez que la Bible dit ça mène à l'abondance, ce sont les projets. Mais projet, et pas tout projet bon Dieu va financer. Aïe, 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 m'a pas compris ça va dire là. Nous t'en sommes dit, nous sommes dit, nous t'en dit les projets, la Bible dit les projets. De l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Mais ce n'est pas tout projet, bon Dieu, financé. Bon Dieu, bral financé, projet qui glorifie non. Est-ce que l'église comprend? C'est ça que fait, même si c'est un projet financier, il n'est pas commencé avec l'argent, il commencé avec la gloire de Dieu. Bam, explique ça plus en détail. Gardez 2 Corinthiens 8. Hein? 2 Corinthiens 9, versets 8 et 9. 2 Corinthiens 9, versets 8. On nous tout lit ensemble. On garde le texte. On nous lit ensemble. Lis la haute voix. Qui ça le dit? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâce. By the way, regardez dans le texte là. Dans le texte là, on dit grâce à qui ça le parle. Sous le texte là, on va parler de l'argent. Lire l'argent. Comment le regarder? Lire le bagage diable. Comment elle est encore? Aïe, 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 levez-moi, dit grâce. La parole là, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâce. Et puis il dit ça, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfera tous vos besoins. Et que vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Mettez-le en anglais parce que je vais regarder un bagage en anglais. Mettez-le en anglais et puis je vais retourner sur le français. Gardez en anglais pour voir comment le dit en anglais. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8,
verset, regardez, on nous lit ensemble. Il dit, « And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency. » Français a dit qu'on ça a tous vos besoins, mais anglais a dit sufficiency. Dit sufficiency. En d'autres termes, dit suffisance. Français a dit satisfaire à tous vos besoins, mais anglais a utilisé le mot sufficiency qui signifie suffisance. Dit suffisance. Lydie, having all sufficiency in all things may have in abundance for every good work. Gardez deux mots utilisés dans le texte là, ou capable de mettre français encore. Côté Lydie en français, de quoi satisfaire à tous vos besoins, à tous vos besoins. Anglais a dit que vous ayez toute suffisance. Est-ce que l'église avait? Est-ce que l'église avait? Soit avec une femme comme ça, non, style pasteur Sanogo. All right, good. La Bible montre qu'il y a deux niveaux de vie. Yo moun kapab viv. Combien niveau de vie me dit? Moun kap marche avec bon Dieu, kapab viv combien niveau de vie? Combien? All right. Remarquez, premier niveau de vie, hein? Li dit, li rele la suffisance. On nous dit suffisance. La suffisance qui s'allie. La suffisance, c'est le bon Dieu, bon capacité, je le dis dans le texte là, pour satisfaire à tous vos besoins. Dis tous vos besoins. L'homme on a marché avec bon Dieu, premier niveau de vie économique qu'on est capable de gagner, c'est le niveau de vie de la suffisance. On nous dit suffisance. Suffisance veut dire quoi? M'gai assez l'argent pour me payer mortgage du moins. M'gai assez l'argent pour me payer machine moins. M'gai assez l'argent pour me payer électricité. M'gai assez l'argent pour me payer internet. M'gai assez l'argent si m'gon on zami qui à Haïti ou bien petit frère ou bien petit soeur qui en Haïti, moi payons l'école pour lui. M'gai assez l'argent etc etc. Pour manger, pour boire, pour me faire maquette, cela s'appelle suffisance. On nous dit suffisance. Maintenant, la suffisance, c'est ce que Dieu t'accorde en tant que son enfant. En tant que petit, lui accorde de la suffisance. Lui dit comme ça, si ou même qui païen ou kabay bon bagay petit tout, et pas moins bon Dieu que pas kabay bon bagay petit moins. De premier niveau financier, yon moun capable de gagner, c'est la suffisance. La suffisance qui ça, c'est pour vous-même. Mais sous ta vle, la suffisance li bon. Mais la suffisance, ce n'est pas ça qui va mener un million. Et puis, ce n'est pas la suffisance qui va mener un multimillion. Ça qui fait ça. Parce que, puis, nous n'avons pas besoin de millions pour satisfaire besoin élémentaire. Est-ce que ça va? Puis, nous n'avons pas besoin de millions de dollars pour payer une hypothèque, pour payer un caille, pour bagarre. Bon, tu n'as pas besoin d'accorder des millions, des multimillions pour suffisance. Est-ce que l'église a dit ça, m'a dit là? Hein? Ça mène yon moun quand on arrive dans million, dans multimillion, dans milliard, gardez gon deuxième dimension de vie, put the text back in the text, ou après marquer gon deuxième dimension de vie au-delà de la suffisance. Après l'éternel fin mort, 50 000 dollars ou bien 60 000 dollars pour payer bill, pour payer kay, pour payer petite, pour payer cable qui est pour l'entrée, etc. Ça yo, de pour gon 50 000 dollars, 60 000 dollars aux États-Unis, les capables de couvrir bagage ça yo. Maintenant, bagay qui mène dans dimension, dans l'autre dimension, hein, remarquez, au-delà de la suffisance, il y a une autre dimension. Il dit comme ça, et Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, ça c'est la suffisance. Maintenant, il dit, après la suffisance, que vous ayez encore. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi encore. Gardez les gens qui sont contre là, dit toute grâce, c'est dans encore l'allié. Aïe, aïe, aïe. Toute bénédiction, c'est encore là. Toute différence, là, c'est encore là. L'autre dimension, encore là. Après qu'on satisfera tous vos besoins, c'est la suffisance que vous ayez encore. C'est pas que vous ayez encore, on dit grâce, non? Que vous ayez encore en abondance. Après la suffisance, ou entrer dans l'abondance. Maintenant, la suffisance, c'est pour vous-même. Mais l'abondance, si vous regardez le texte, ce n'est pas pour vous-même. Ah, l'abondance, c'est qui ça? Afin que vous ayez encore en abondance. Pour qui ça? Pour toute bonne.
Maintenant, qui ça yon bonne œuvre? L'Éternel définit qui ça yon bonne œuvre pour nous. Matthieu chapitre 5, verset 16. La Bible définit qui ça yon bonne œuvre. Là, la Bible dit que vous ayez encore pour toute bonne œuvre. Ça veut dire bonne œuvre. On nous lit ensemble. Matthieu chapitre 5, verset 16. Qui ça le dit? Tout le monde lit la autre voix. Qui ça le dit? Que votre lumière luise ainsi parmi les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres, qui ça y a fait, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qui ça y a une bonne œuvre? Une bonne œuvre, c'est un bagage qui glorifie le nom de l'Éternel. Je ne sais pas si l'église comprend ça, ma dia là. Ma peine boy un gros secret financier, ma peine boy un gros secret économique. L'Éternel dit, ça que fait yon moun passer de la suffisance à l'abondance, c'est lorsque ou gon baga ou fait l'abondance est donnée pour toute bonne œuvre. Qui sa bonne œuvre là? Bonne œuvre là, c'est là l'or à fond bagaille qui glorifier le nom de Dieu. L'aime bâti yon l'hôpital, m'a glorifié le nom de Dieu. Si m'a bâti l'orphelinat pour m'aider ti moun, m'a glorifié le nom de Dieu. Si m'a bâti yon l'église pour la gloire de Dieu, m'a glorifie le nom de Dieu. M'a battu en radio pour l'évangile prêché. M'a glorifié le nom de Dieu. M'a battu en l'école pour dire mon capable d'éducation. M'a glorifié le nom de Dieu. La Bible dit, l'homme décide de faire une bonne œuvre pour l'Éternel. L'homme décide de faire une bagarre pour glorifier le nom de l'Éternel ou passer de la suffisance maintenant à l'abondance. Aïe, aïe, aïe. Le démon a dit gloire. Est-ce que quelqu'un qui comprend ça m'a dit là? C'est ça que fait nous un plan financier. Pas commencer avec l'argent. Il commence avec qui projet bon Dieu baou pour glorifier nous. Jou joine projet bon Dieu baou pour glorifier nous là. Pas inquiétant, l'argent a suivre projet a, parce que moun qui va glorifier à travers projet a fait provision pour projet a, parce que projet a glorifier nous. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? On l'aime t'a prêché au cap avec un paquet de jeunes. On l'aime t'a prêché au cap avec un paquet de jeunes. M'te dit jeune yo, jeune en Haïti yo ça. Et en pile peut-être yo pense tête m'te parti. M'te dit nous tout qui là, nous pas gain problème l'argent. Nous gain problème vision. Moun pa konn gain problème l'argent. Problème l'argent pas existé. Problème l'argent pas existé. Le gon vision, vision après aller l'argent. Ah, par contre, c'est bon monde qui comprend ça, m'a dit là. Logo vision, vision après aller l'argent. Logo projet, c'est la Bible qui dit dans Proverbe chapitre 21, Chotli, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Depuis qu'on projet est établi, et puis que l'Éternel compte pour projet, abondance a besoin de route projet. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit là? Donc, premier bagage qui fait. L'on a fait un projet financier. Premier bagage, ou dit, qui ça me capable de faire? Qui ça me capable de faire pour me glorifier? Pour me glorifier le nom de Dieu. Maintenant, l'on a fait identifier qui ça, bon Dieu, mette dans le cœur. Et me toujours poser une question ça. Pour capable de connaître qui ça, bon Dieu, relo pour faire? Dans le monde qui est pas qui divers, nous toujours dit sous t'gain tout l'argent dans le monde et pour pas de jambe pour travailler dans vie ou pas de jambe pour travailler un grain jour dans jour dans vie ou qui sort à faire avec temps et qui sort à faire avec l'argent sous t'gain tout l'argent dans le monde et pour pas besoin de travailler ou pas besoin de travailler un grain jour dans jour dans vie ou qui sort à faire avec temps et qui sort à faire avec l'argent des gens qui disent n'ta voyage j'aime prendre vacances n'ta faire vacances. Mais la réalité est que vous avez pris vacances 1 mois, 2 mois, 3 mois. Regardez, je garantis vous. Après 3, 4 mois de vacances, vous commencez à faire. Vous commencez à fatiguer. Ouais, même la mer, même vague la mer, même pied coco, même sable. Vous commencez à arriver fatigué, vous avez sans tout besoin. Font bagay qui plus de valeur. Est-ce que l'église comprend ce que je dis là? Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur, je prie que l'église vous comprenne ce que je dis là. Où est le principe ça yo? Bon, faut comprendre. Porter principe ça yo. Bon, dit et puis on va conclure avec. Attendez. Où joindre premier
Premièrement, où joindre bonne œuvre. La Bible dit comme ça, abondance. L'ivini l'a fait pour bonne œuvre. Bonne œuvre et qu'il vous donne en abondance pour toutes bonnes œuvres. Bonnes œuvres qui glorifient bon Dieu, elle va attirer abondance. Donc, quand il y a l'homme besoin de marcher et vivre dans la prospérité, on cherche qui ça, bon Dieu, mettez dans le cœur pour me faire, qui pour glorifier non. M'écrire son morceau papier. Et puis, je commence à dire, Seigneur, mais ça me t'a rien fait pour vous. Mais ça me t'a rien fait pour le royaume. Mais orpheline, m'ta rien bâti pour. Mais l'hôpital, m'ta rien bâti pour. M'ta rien quelque chose pour m'aider moun nan prison pour. Et by the way, m'ba vin tout comme ça. Grosseur projet, c'est va grosseur abondance. Gen moun tout ta kap di comme ça, etc. Baga m'ta rien multimillionnaire, etc. M'kwe que bon Dieu rele tout chrétien pour yo vivre dans l'abondance. Même pas quoi bon Dieu rele tout chrétien pour multimillionnaire. Ça fait ça. Parce que gen moun l'éternel bon un projet pour la pas mandé multimillion. Pour qui ça pour l'album multimillion, tandis que projet par là, gen moun abondance sur ces 50 000 dollars, gen moun abondance sur ces 100 000 dollars, gen moun abondance sur 1 million, 2 millions, gen moun 3 millions, gen doit pas assez pour yo. À cause de abondance l'éternel bral ba oua, songez, la Bible dit il donne l'abondance pour toute bonne œuvre. Donc cela veut dire, abondance li bral ba, la bral dépend de œuvres qu'on bral faire. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit là? Donc, abondance variée pour différents mondes dépend de qui projet bon Dieu mettait dans le cœur. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit là? Mais quel que soit projet que l'il y a, que le petit, que le gros, que le moyen, financièrement, parce que ça, ça et ça c'est relatif, hein? L'homme dit petit ou moyen, c'est financièrement, hein? Parce que spirituellement, ça paraît petit, c'est le gros. Est-ce qu'on avait? Mais c'est l'autre logique, mais on ferme la parenthèse. Maintenant, quel que soit ça lié à, moi présenter devant mon Dieu. On nous dit comme ça, je me sentis bon Dieu mettre dans le cœur pour me faire orpheline pour lui. Ça, c'est bonne œuvre qui va glorifier mon Dieu. Je dis, Seigneur, avant de mourir, je t'ai remis orpheline pour vous. Ok. Quand je vais aller pour me connaître, pour me faire orpheline, ça, combien de terrain on va le côté? Si c'est bâti, ma bâti, combien de terrain on va le côté? Terrain en bas le coûte tant. Combien pour m, si je bâti ma bâti from ground zero, on caille, pour mal bâti un bon caille qui a gagné assez d'espace, qui a un petit monde, par contre si la 6 chambres, si la 12 chambres, quel que soit gros, sur le folie, ça me va faire, caille qu'on a bâti, combien caille la coûte? Tel bagaille. Qu'on y a pour moi gérer orphelinat, pour me payer personnel, pour me payer dépenses, pour me payer manger pour petit monde, combien va le coûte? Nous ajouter. Combien orphelins n'am t'arrêt mes comme ça? Est-ce que m'tarrêt mes gueux, m'tarrêt mes deux, m'tarrêt mes douze, m'tarrêt mes centaines? Combien? Noir. Après m'fin mettre bagage ça yo, kounya m'vin avec un chiffre. Chiffre ça kounya. Living constitué objectif financier. Parce que objectif là qui commence, li son objectif spirituel d'abord et puis vin yon objectif financier en après. Donc, kounya, cela veut dire, s'il a coûté 50 000 dollars, 100 000 dollars, 250 000 dollars, 1 million de dollars, kounya m'vini, m'dit, Seigneur, mais qui ça m'a remis fait pour gloire, non? Aïe, aïe, aïe. Mais l'homme fin analysé, moi, j'ai besoin 300 000 dollars, j'ai besoin 500 000 dollars, j'ai besoin 1 million de dollars, j'ai besoin 25 millions de dollars, dépend de ce qu'on a réglé. Seigneur, me présente projet ça. Regardez, moi-même fatigué avec pasteur qui a dit tant qu'on est pauvre, quand on est pauvre, c'est tant qu'on plus près, bon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, m'a dit là? Et puis, chrétien dans l'église, conseil de bagaille, vous n'avez pas jamais prié sur vous, vous n'avez pas jamais présenté devant bon Dieu, vous n'avez pas jamais de projet. Puis, fort chrétien dans l'église, pas de projet. Tandis que verset a écrit dans la Bible, dans Proverbe chapitre 21, la Bible dit ça que mène à l'abondance, c'est projet. Puis, fort chrétien, pas de projet, vous n'avez pas prié pour rien, vous n'avez pas d'aucun projet qui a glorifié la gloire de Dieu. Tandis que c'est à travers projet, hein, abondance l'embral passe. Est-ce que l'église commence à me dire là? Ou mettez projet? Bon bagay. Est-ce qu'on pense, gonom yorele Bill Gates, mkwe kounya, c'est l'homme le plus riche au monde. Bill Gates bâti Microsoft, et puis dernière fois m'deli avant hier, on va dire comme ça.
bâti Microsoft, et puis qui arrivait à 83, monsieur Vaux, 83 milliards de dollars. Ou compte ça, yon, et pas million, non? Milliards. Il y a une différence entre millions et milliards. Yon milliard, c'est 1 000 millions de dollars. 1 000 millions de dollars. Microsoft bâti compagnie qui vaut 83 000 millions de dollars. Monsieur Finn bâti compagnie, et puis à l'âge de 60 ans, monsieur retraité, lui retraité dans la compagnie, et puis il prend tout comme il possédait, l'a marché en Afrique, l'a aidé des gens qui ont sida, l'a aidé des gens qui ont AIDS, l'a allé en Haïti, l'a bâti l'hôpital Nibaléa, l'a arrivé en Afrique, l'a bâti, l'a arrivé. Bon. Est-ce qu'on pense que c'est un accident qui fait bon Dieu, fait cet homme le plus riche au monde? Au contraire, il est tant qu'on est que nom ça tabral, il y a une bonne œuvre que le tabral fait avec sa débalia. Même s'il convertit, même s'il va convertir, même s'il connaît, même s'il va connaître, il connaît le tabral font bagaille qui va le glorifier. Non! C'est ça que fait Mabjon Bagay. L'homme dit glorifier non. Il y a des gens qui ne sont pas convertis qui glorifient le nom de Dieu comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas convertis qui glorifient le nom de Dieu. Ce n'est pas une question de salut, on a parlé là. L'Éternel te dit Pharaon qui est pour le glorifier, non? Pharaon pas de convertir, non? Mais Libral font bagay. Qui, Libral font bagay qui avance, qui fait avancer volonté. Libral font bagay qui selon plan, selon projet. Donc, monsieur, pas penser son bagage. Deuxième l'homme plus riche au monde, Warren Buffett. Warren Buffett, dernière fois, m'a gardé 40 milliards de dollars. 60 milliards de dollars. 60 milliards de dollars. 60 milliards, c'est 60 000 millions de dollars. Warren Buffett, m'a connu peut-être qu'on est à 80 ans, etc., etc. 10 ans de cela, monsieur Finn fait 60 000 millions de dollars. Et puis 10 ans de cela, monsieur Levé, il fait cadeau 80% de tout l'argent. Vous pensez que c'est son accident que tu fais, bon Dieu, tout comme ça? Parce que bon Dieu qu'on est, monsieur Tabral, utiliser bagage ça pour une bonne œuvre, malgré le pas qu'on est, malgré monsieur pas converti, malgré le pas qu'on est bon Dieu prospère seulement pour ça. Est-ce que l'église commence à comprendre ça? Je ne peux pas comprendre nos bagages là. Je ne peux pas comprendre. Nous avons des lois qui gouvernent la richesse. Il y a des lois qui gouvernent l'argent. Il y a des lois qui gouvernent l'abondance. Mais on dirait que dans le monde comprennent la loi, ça y est bien. Ou après, il y a des gens qui sont riches. Que vous convertissez. Est-ce qu'on connaît des gens qui sont riches? C'est des gens qui sont plus fidèles dans la dîme. Nous ne parlons pas comme ça. Les blancs qui sont riches, ils ne doivent pas convertir. Ils ne doivent pas jouer dans la dîme. Ça y est, les dîmes avec œuvre de charité. Pi fort monsieur Sayo, yo gon institution, yo gon l'église, yo gon côté, yo gen côté, y a ba dim, y a ba œuvre de charité. Pour qui ça yo fait? C'est pas parce que yo converti, c'est parce que yo connaît pour raison pour l'autre. On dirait chaque temps baille et puis me garde moi, l'aime penser me fin baille et puis me garde moi là après tourner vin jeune moi. Me pas connait comment le marché, mais le marché. Ça que fait ça parce que yo rivé dans les lois spirituelles. Ça veut dire love les bénis. Financièrement, ou pas commencer avec l'argent, ou commencer avec la gloire de Dieu. N'importe bagaille qui glorifie bon Dieu, la financer. Est-ce que nous commençons à me dire là? Maintenant, bon Dieu pas intéressé dans la gloire par nous, il est intéressé dans la gloire par. Si projet a ses projets par, a fait par, ça sont l'autre bagaille. Mais si c'est a fait par, moun ki va glorifier à travers projet à financer projet. Donc chaque moun ki là de temps en temps ou gen des bagages que bon Dieu mette dans cœur ou gen de bonnes œuvres. Gen quelque fois sans tout table battre l'hôpital. Gen quelque fois dit ou sans tout table battre l'hôpital ou table battre orphelinat ou ta remet des moun ki dans prison ou ta remet des moun ki malade ou ta remet des moun ki gen sida ou ta remet aider madame pasteur ça c'est projet madame moi. Madame Montaremé pour tout madame pasteur parce qu'on paquet madame pasteur qui prend retraite définit tomber dans pauvreté les mêmes projets parlent c'est pour ta aider ou t'aimer aider madame pasteur t'aimer aider si vous t'aimer aider etc. Projet bon Dieu mettez dans cœur là
c'est projet ça qui clé prospérité avec finance. Bah l'Éternel vous applaudissement sur comment ça m'a dit là. Projet ça c'est lui qui clé prospérité avec finance. Mais puis faut moun dit ah m'pas balan dans projet ça m'pa gè l'argent, ça pa connaît. C'est projet à gralé l'argent. C'est pas l'argent qui a les projets, c'est projet à créer l'argent. Écris son mot sur papier, prier sous lit et puis font graine papa la foi. Même si c'est 10 dollars capable, me font graine papa la foi, même si son petit moun font gavin, me font premier papa la foi, ou a saisi pour ça l'Éternel va le faire. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit? Levez mon dit gloire. L'Éternel pas intéressé dans prospérer moun pour qu'a dit quoi ça garder belle rade m'acheter niveau 10 000 dollars garder belle chaîne moi mettre sous moi li 50 000 dollars garder belle bagarre mettre sous moi li 100 000 dollars etc. Mais pas dans projet et pas dans ça bon Dieu intéressé, c'est pas ça. Maintenant ça pas veut dire que pendant bon Dieu a prospéré dans projet, la Bible dit comme ça, li pas museler le bœuf qui travaille champ. Pas ça veut dire pas nous travailler, la bon Dieu a prospéré personnellement tout, ou pas besoin qui était de cela, li impossible pour ou là ou à fond bagaille pour bon Dieu et puis son affaire à prospérer et puis ou même pour qui toi traîner, elle pas jamais qui toi traîner, l'a toujours fait provision pour vous, l'a toujours prend soin. Mon besoin connaissait pas où qu'en premier chercher premièrement le royaume et la justice et puis tout il bagaille il y a des cœurs après. Donc, l'homme besoin de prospérer, cherchez un projet qui fait avancer le royaume. Cherchez un projet qui fait avancer le royaume. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? L'homme fin, écrit plan pour projet, je commence à regarder mal devant bon Dieu. Je dis, Seigneur, je demande pardon parce que je sous-estime. Je dis, je sous-estime. Là, parce que moi-même, qui ça m'a regardé, m'a regardé projet building, non? Je dis projet building, ça va coûter 15 millions. Si l'Éternel va nous 20 millions, ah, monsieur, nada. Quand on a regardé, moi, je commencé, non? 20 millions, bon, c'est son paquet de bagages. L'homme fin gardé projet royaume, non? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous entendez ça, m'a dit, là? L'homme fin gardé projet royaume, non? L'homme fin gardé projet qui va glorifier, bon Dieu. Moi, ça m'a réfléchi à ce projet mouche. L'Éternel dans la dimension bœuf avec et puis moi-même rester là dans le projet mouche. Pour qui ça me bon bagaille ça? Lorsqu'on rete sous petit besoin personnel, petit besoin immédiat pour jodi à demain, année prochaine, commencez pour penser projet royaume et puis penser projet royaume à long terme. 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui compte me besoin? Et puis finir avec un chiffre. Venez avec un chiffre qui gagne dans la figure. Ce n'est pas chiffre mouche, chiffre pinaise, chiffre pipa. Regardez, il y a des gens qui te disent ça. Sous une vision, et puis il n'est pas impossible pour vous ou insulter bon Dieu. Lorsqu'on est bon Dieu dans une vision, c'est l'or, regardez. Ou l'or, regardez, je vais vous dire, ou est tank, ou un projet, et puis ou est projet à force, semble au fou. C'est tant que l'Éternel peut remettre. Parce que lorsqu'on projet a accompli le bon tout, pas d'espace pour bon Dieu. C'est le sort capable de faire, c'est là. Ou qu'arriver là, mon projet pour arriver là. Mais point de joie, ou arriver là. Ça veut dire entre là, côté point de joie, ou arriver là. Avec tout espace là, c'est espace pour bon Dieu, pour le faire miracle, pour le faire merveille, pour le mener monde, pour le faire sortir ta pensée. Tout espace ça là, c'est espace pour l'Éternel agir. Chers amis, lorsque un monde prospère dans la vie, li gon jan le penser. Rencontrer avec tous les hommes prospères, yo pas penser même gens. Même j'ai un monde normal pensé. L'homme de fait commencer l'église là. Je me suis dit, premier plan d'écrit. Là, ça l'église pour qu'on ait 12 monde. Pour qu'on ait 12 monde. Je me dis, quoi, ça a besoin pour tabernacle de gloire. Au moins, il y a 20 000 monde.
pour ta commencer pour ta songer laisse ça c'est ton autre pasteur qui te lit projet me pas connait comment projet a tombé dans main on l'autre pasteur bon que me te connaît pasteur rencontre avec lui il garde il dit pasteur grec me garde projet l'église moi son monde fou pasteur dit mais dit pasteur grec me garde projet l'église moi son monde fou il dit sous demande bon Dieu on l'église 2000 monde ca comprendre pour gagner 12 monde sous demande bon Dieu 2000 monde ca comprendre 20000 monde m'a dépassé 20000 monde oui pasteur grec. Si je me demande de 2000 moun, 3000 moun, les consens nous dégâts passé longtemps, ça veut dire que je ne vais pas faire pour me faire encore, moi, je vais. Si ça me demande de bagarre pour me faire encore, non. Rêvez grand. Pas pour gloire, pas. Rêvez grand pour bon Dieu. Rêvez grand pour bon Dieu. Billy Graham a peine mouru pas de semaine ça là. Nomme-le recevoir funérailles, un héros national. Ça fait ça parce que le patap malgré monsieur levé en dehors dans North Carolina a teke bête a teke bourrique mais côté le teye en dehors li t'a rêvé les nations de la terre. Rêvé grand. Li t'a rêvé et qui ça t'a fait t'a rêvé les œuvres de Dieu. Li t'a rêvé pour faire bonnes œuvres qui a glorifié bon Dieu. Pour la faire croisade pour toutes les nations de la terre. Et puis pour moun a vinn joine Christ. Moi-même, pour moi-même, de tout ça, en 2000, nous allons croisade Amsterdam. Billy Graham payait tout bagaille pour moi. Pour moi, il payait ticket d'avion, il payait manger, il payait hôtel, il payait transport, il payait livre, il payait tout bagaille net pour une semaine. Et c'est pas pour moi seulement le faire, il fait pour 11 000 évangélistes. Moun qui t'ai organisé croisade là, c'est ton ami. Au Texas, de quelques mois plus tard, je me rencontre avec monsieur. Je me dis, monsieur, mais combien un projet comme ça, combien le coûte Billy Graham pour Billy Graham payer voyage, transport, manger, livre, avion pour 11 000 évangélistes à travers le monde, parmi lesquels moi-même, combien semaines n'a coûté en année 2000, ça veut dire 18 ans de cela. Monsieur dit, Greg, semaine n'a coûté Billy Graham 60 millions de dollars. Et après elle fin fait ça, il pas bien quoi. Ministère a pas crasé. Ça veut dire qu'il y a plus longtemps plus qui en réserve 60 millions de dollars pas pris, pas brainé ministère. Yon ti nom qui sorti en dehors, capté que bœuf. Yon ti nom qui sorti en dehors, cap lever poids. Et puis le rêver fait gros bagaille pour bon Dieu. Déclarer c'est pour faire gros bagage pour bon Dieu. Déclarer c'est pour faire grand bagage pour bon Dieu. Déclarer c'est pour gagner gros projet pour bon Dieu. Déclarer c'est pour réaliser grandes choses pour bon Dieu. Déclarer c'est pour faire ça qui pas sembler avec. Déclarer c'est pour faire ça qui pas sembler quand on sorti. Déclarer c'est pour faire ça qui pas sembler à canette bancou. Déclarer c'est pour faire ça qui pas sembler à crédit. Déclarer c'est pour faire ça qui pas sembler à connaissance. M'déclare c'est pour faire ça qui pas semblé admiration. M'déclare c'est pour bon Dieu faire route avec. M'déclare c'est pour bon Dieu faire chemin avec. M'déclare c'est pour moun wè pour yo saisir. M'déclare c'est pour projet yo accomplir. M'déclare c'est pour projet l'école accomplir. M'déclare c'est pour projet l'école accomplir. M'déclare c'est pour projet orphelinat accomplir. M'déclare c'est pour projet financement accomplir. M'déclare tout ça mettez main là dedans. C'est pour yo accomplir sous d'accord ça dit gloire. C'est pour bon Dieu péter chaîne pauvreté dans tabernacle de gloire. C'est pour péter chaîne pauvreté. Moi refuser pour nous la norme. Me déclarer c'est pour nous anormal. Moi déclarer c'est pour nous extraordinaire. Moi déclarer c'est pour tout le monde demander ça qui a passé dans tabernacle de gloire. Parce que moun sa yo pas même jamais tout le monde. Haïtien ça yo pas même jamais avec même tout haïtien. Yo pas comporter même jamais tout haïtien. Yo pas marcher même jamais tout haïtien. Yo pas fonctionner même jamais tout haïtien. Bon grâce qui sous tête yo. Dans tout famille chez qui n'a pas ben de gloire dans toute famille chez qui n'a travers le monde c'est pour grâce mon Dieu traverser c'est pour grâce mon Dieu joindre c'est pour grâce mon Dieu transformer c'est pour grâce mon Dieu lever sous d'accord ça dit gloire.